Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Marsupilami, le secret du sarcophage. Et donc je pense qu'on va se faire un let's play sur le jeu. Alors, vous m'en voulez pas, ma gorge va mieux, mon nez ça va à peu près, même si c'est pas le top. Bon, vous l'entendez quand même. Par contre, parfois je tousse, encore. Donc j'ai un verre à côté de moi pour boire un coup et tout, et... Ben, j'essaierai de couper au maximum les moments où je vais tousser, ou voilà, je couperai un peu la petite bande-son de mon micro au montage. On va se mettre comme ça, c'est un let's play tranquille, on va parler en même temps et tout, alors on va pas trop non plus chercher à mettre la difficulté hyper élevée, puisque le but, ça va être quand même d'avancer. Et donc on va se découvrir ça. Je sais jamais démarrer le jeu. Apparemment, c'est pas mal du tout. C'est une petite surprise parce que, bon, généralement, on s'attend pas à grand chose. Alors, on est sur Xbox Series X, mais c'est un jeu Xbox One. Hein. Il n'y a pas d'optimisation particulière. Nouvelle génération, PS5 ou Series X. Hein. C'est des jeux PS4 One. Il est sorti sur Switch aussi d'ailleurs. Bon, on aura des temps de chargement plus rapides évidemment. Parce qu'on est sur un SSD, mais. Mais c'est tout. Par contre, je vais faire un petit peu de bruit avec le micro. Je suis désolé, je vais faire un truc. Hop, je vais le déplacer. Voilà. Désolé pour vos oreilles. Je pense qu'il est mieux placé comme ça. Ok, donc il y a une roulade. Est-ce qu'il y a d'autres mouvements pour l'instant? Non. Ok. Ah si, il y a quand même ça. D'accord. Bon, au début, forcément, il nous explique un peu. Et en faisant des roulades, on peut... Ouais, ok. Hop, donc bon, j'imagine qu'il y a il y a pas mal de choses à ramasser à droite à gauche. En plus de faire le niveau, j'imagine que il va y avoir plein de bonus cachés. Plein de petits trucs. Après, hop, on va avancer tranquillement. Je vais pas les casser. Ah oui, peut-être que je fasse ça. Voilà. Voilà, il y a des petites choses cachées. Des petits niveaux bonus, ok. J'imagine que j'ai un timer, oui, j'avais un timer pour faire ça, pour récupérer un ticket. Après, le but de ce let's play, ce sera pas forcément de trouver absolument tous les trucs cachés et tout. On va avancer à notre rythme, et puis bon, bah, si on peut en trouver un maximum, on les cherchera évidemment. On les cherchera et on les fera. Maintenant. Si
on les trouve pas, bah on les trouve pas. Voilà. Moi je comme je dis toujours, je fais pas des let's play pour me. Pour me prendre la tête et voilà, déjà du let's play, j'en fais pas beaucoup. Et c'est pas pour me prendre la tête, hein. C'est vraiment. Parce qu'en ce moment, en plus, il y a pas grand-chose. Alors, ce que je disais... Ce que je disais sur la vidéo bilan, en fait, que... Bah, je perdais aussi du temps... Perdais aussi du temps sur l'upload et tout ça, et que c'est pour ça que c'était un peu compliqué. Et bah vous pouvez oublier, parce que finalement quelques jours après cette vidéo bilan, j'ai appris que je pouvais avoir la fibre. Oh merde. J'ai appris que je pouvais avoir la fibre. Donc... Bah, je vais pouvoir finalement gagner... Tant pis. Je vais pouvoir gagner finalement pas mal de temps. Aussi sur l'upload. Donc ça, c'est plutôt... C'est plutôt très positif. Tout ça, c'est des choses qui vont pas mal m'aider. Donc, c'est-à-dire que sur ce début d'année, au final, on va pouvoir faire Horizon, qui était du coup pas prévu parce que j'avais pas la console, maintenant je l'ai. On va pouvoir faire... On va pouvoir faire Gran Turismo qui n'était pas prévu. Et en plus... On va gagner du temps sur l'upload. Parce qu'au final... je vais avoir la fibre. Je suis désolé, hein, je suis concentré en même temps, donc j'ai du mal à finir mes phrases. Bon, premier niveau assez simple, mais c'est, on va dire que c'est normal, puisque c'est aussi pour découvrir le jeu. Ok, donc après on peut refaire les niveaux en contre-la-montre. Ouais, ok. On va continuer, hein. Je sais pas combien de temps on en est. Ouais, on est à moins de 10 minutes. On va continuer. Aventure, on s'en fout, le mode contre-la-montre. Ça m'intéresse pas. Enfin là... Dans ce let's play, ça m'intéresse pas, donc vous le voyez, je pense, à l'image. Certains ont dû se dire, c'est bizarre, ça ressemble beaucoup à un jeu qu'on connaît déjà. Effectivement, je pense qu'il y en a certains qui vont crier au plagiat de Donkey Kong Country. J'ai un peu de mal avec la notion de plagiat. J'irai pas jusque là, mais effectivement, il y a ce qu'on appellerait chez moi une forte inspiration. Hein? Mais on peut pas monter là? Il y a. Voilà, ce qu'on pourrait appeler une très très forte inspiration, hein, pour pas dire que. Ah, j'ai l'impression que je peux pas monter comme ça.
Ah, bah si. Pour pas dire que ça y ressemble vraiment énormément. À tous les niveaux, hein, que ce soit le gameplay. La manière dont c'est construit. Ça ressemble quand même beaucoup. On va pas se mentir. Ramasser ces fruits, ça a pour but de vous amener des vies. J'ai pas l'impression que ce soit particulièrement difficile, donc maintenant. Bon. J'ai pas l'impression avec le jeu. Merde! Je vous dis ça et à ce moment-là, je me plante comme une quiche, évidemment. Hein. C'est toujours comme ça, de toute façon. Je sais pas s'il va y avoir des environnements différents et tout. Je sais pas non plus d'où ça leur sort, un Microïds, de sortir ça maintenant. Est-ce qu'il y a... Pour ceux qui suivraient, est-ce qu'il y a une nouvelle série, un nouveau dessin animé, Marsupilami ou quelque chose que j'ai raté parce que j'ai pas l'impression que ce soit un personnage encore forcément... bien connu des gamins d'aujourd'hui, le marsupilami. Donc, c'est moi peut-être. Est-ce que j'ai loupé... Est-ce que j'ai loupé quelque chose ou... Ou pas, dites-moi. Au pire, dans les commentaires, si vous savez, vous, parce que... Moi, je vous avoue que... Les pics. Ah, faut que j'aille là où il y a un truc bonus, là-haut. Ah, pourquoi c'est pas accroché? Merde. Comment je peux monter là? Non, ah, c'est pas comme ça. Bah écoutez, je ne sais pas, je suis sûr qu'il y avait un niveau bonus là-haut, bah tant pis, hein, écoutez. Ouais, je vous ai dit, on va pas chercher à tout faire forcément à 100%, mais si on les voit les trucs, on va aller les chercher par contre. On va pas les louper.
juste par flemme ou... Non, tard. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Hop, ça facilite grandement le passage. Ouh, la plume là, je la veux. Même là, quand on arrive au bout, dans Donkey Kong Country, normalement, c'est un régiment de bananes, je crois. Ce qui serait logique, puisque c'est des singes. Mais c'est exactement la même chose, faut appuyer comme ça sur la touche et... Donc ouais, c'est un peu... Ils ont vraiment beaucoup copié. J'espère qu'il n'y a pas que ça comme niveau, hein, par contre. Hein. Parce que sinon, ça va vraiment être très très court. Hein. Ok. D'accord, donc là, c'est ça le niveau. Oh, faut en faire 24. Voilà, j'ai perdu du temps bêtement. Bon, ça a l'air jouable même en faisant une erreur. Désolé, vous risquez d'entendre la manette. Hein. Si vous connaissez hein, la manette... De Xbox, elle est un petit peu bruyante. Je sais pas à quoi ils servent ces tickets du coup. Ah non, je pense que le bateau là-bas, il sert à débloquer un autre monde après. Hein. J'espère. Faut changer de personnage. À voir si les autres ont. On va regarder si les autres ont d'autres caractéristiques ou pas. Ou font exactement la même chose. On va voir. Bon non, ça change rien au gameplay. J'ai l'impression... Qu'elle fait exactement les mêmes choses. Ah, mais quel abruti! Parfois c'est laborieux. Hein. Alors c'est pas parce que le jeu est difficile, c'est parce que je suis extrêmement nul. Dites-vous toujours ça. Parce que objectivement, pour l'instant, le jeu. Il est pas difficile du tout. C'est juste que je suis pas particulièrement habile avec mes gros doigts potelés. Thank you.
Ah. Puis voilà, vous voyez, genre... Ce genre de truc, je suis sûr que c'est... En vrai... hyper facile à faire, mais moi, je sais pas pourquoi, là. Ça m'affiche pas le... Ah, je sais pas pourquoi, il veut pas s'accrocher là-haut. Ah, voilà. Merde, hein. C'est tout ce qu'il y a par là? En plus, j'ai fait tout ça pour ça? Ça paraît très bizarre, quand même. Bon, c'est pas grave. Mais bon, c'est quand même à... J'imagine que c'est quand même un peu drôle de regarder... un cotorep jouer. Et attention, je ne me moque absolument pas des gens... quand je dis ça, des gens qui sont réellement cotorep. Hein, Non! Ouais, c'est... Mais non, pourquoi j'ai fait ça? Ah, je veux la plume. Bon, je suis content parce que pour l'instant, j'ai chopé les plumes à chaque fois. Je vous l'ai dit, c'est pas forcément mon... mon objectif de tout faire à 100%, mais si on y arrive... Quel abruti, putain. Mais quand je vous dis que je suis particulièrement con, maintenant, vous me croyez? Hop. Bon. Excusez-moi. Je pense pas que je vous mettrai ça en... En 4K, hein. On s'en fout un petit peu, je pense que... Bordel. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça a foiré comme ça? Ah oh, putain, en plus on reprend. Voilà. Je l'ai eu ma plume. Mais oh. Attendez, combien de temps on est là? 20... Ouais, 25 minutes, on va arrêter après. Hein. Après ce niveau. Hein. Merde, oui, il y a des pics là. Et je suis vraiment... Thank you.
particulièrement con, comme je vous disais. Oh là là. Putain, mais... Et voilà. Hop, hop, hop. Oh là 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 là, j'ai été particulièrement mauvais, mais je m'en suis sorti. Bon, je vous ai cuté un peu ça parce que j'ai recommencé. Je me suis mangé les pics en montant. Donc, c'était pas très intéressant de... revoir ça. Puis après, il faut que vous compreniez aussi que voilà, qu'en configuration tournage de vidéo, je fais ce genre de conneries là, où je reste bloqué là pendant une plombe. Alors que quand je fais ça tout seul de mon côté, il n'y a aucun problème. Faut aussi que vous, pour certains, que vous compreniez que quand on est en tournage de vidéo comme ça, on perd vachement en concentration parce que déjà bah, on parle en même temps. Et puis moi, de temps en temps, je regarde aussi l'enregistrement de ma voix où il en est, si ça fonctionne toujours. Je fais tout ça en jouant et en vous parlant en même temps. Mais bon. Parfois, c'est un peu difficile de tout faire en même temps. C'est-à-dire que je vous parle, que je joue, que je contrôle mon micro en même temps. Donc, parfois, bah, c'est un peu... Hein, il est un peu con, le gars, donc c'est un peu compliqué. Bon, on a au moins... Un nouveau niveau alternatif. Ok. On ira peut-être voir après. On va finir ça. Et puis on ira voir après. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.